Ouh là 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 là, il y a pas mal de choses à présenter. Une protection multifonction, donc de la marque Holoclip, ainsi que quatre objectifs. Je vous ai déjà présenté auparavant des objectifs Pixter. Ici, ça a l'air d'être un petit peu plus poussé. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui on va parler d'objectifs et d'une superbe petite protection pour iPhone. Cette protection est compatible avec les iPhone 6 et 6S. D'ailleurs, le packaging est plutôt bien fait. Je suis assez content là-dessus. Et la protection est juste ici. Très simple. On met son iPhone et bien dans la protection. Il n'y a pas de grosses difficultés pour l'instant. Petit plus, moi pour l'instant, je n'ai jamais vu ça sur d'autres protections. C'est qu'on va avoir ici une petite boîte où il va avoir plein d'accessoires. Dans un petit sachet. Hop, c'est vraiment trop mignon. On peut le voir. Que c'est légèrement grippé. Alors, regardez là. Hop. Voilà. Là, c'est bien. Et que on va pouvoir placer donc les accessoires juste derrière. Ah, attends, comment on fait là? Non, en fait, ça lève, ça raccord. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Attends, mais celle-là, je sais plus à quoi elle sert. Je les mets tous ici. Ah. Ah, le système est très ingénieux. Hein. Ouais, ok. Ok. Ça. Et je la fais glisser. Alors celle-là, d'accord, parce que ouais, j'avais du mal avec celle-ci. Si, c'est gentil. Donc, comme on peut le voir juste ici, eh bien, on a pu attacher donc quelques accessoires. Alors, ça peut être très pratique parce que ici, imaginons, on peut placer que ce soit même eh bien, des LED, des accessoires en fait pour appareil photo. Et que ici, on peut même placer par exemple le micro. Que normalement moi je place actuellement mon micro Rode et eh bien au-dessus de mon appareil photo, donc c'est vrai qu'on peut placer beaucoup d'accessoires et que c'est on a la possibilité bien entendu de les enlever. Il se met juste ici, alors là ça devient une galère, tu vois. Bon voilà, ça s'est enlevé, c'est relativement simple, ça fait bizarre. Hop, voilà, il va falloir juste les faire glisser en fait vers l'extérieur, puisqu'on peut voir que si on regarde, voilà, ici. Donc, dans cette zone-là, en fait, eh bien, l'accessoire va rester bloqué. Mais quand on va sortir de cette zone, forcément, on voit que c'est légèrement plus large. Et donc, ça crée une petite ouverture et que donc, les accessoires peuvent s'enlever. Voilà, aussi simplement que ça. Voilà. Elle est à 89,99€, sachant qu'il y a des petites réductions de temps en temps. Passons aux objectifs. Le 4-en-1 Lens 7, on retrouve... un objectif fisheye, un grand angle. Changer les lentilles se fait simplement et rapidement. Elle fonctionne sur la caméra arrière, mais aussi sur la caméra avant. Il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles. Ce petit pack est à 79,99€. Dans le pack Holoclip Active Lens, c'est exactement la même chose, sauf qu'on retrouve deux objectifs, un objectif téléphoto et un objectif ultra large. Et ici, le prix est de 99,99€. On retrouve aussi une jolie petite sacoche dans chaque pack. On va pouvoir mettre, placer ses objectifs à l'intérieur avec aussi les petites protections en plastique pour pouvoir eh bien, protéger ses lentilles, puisque ça peut se rayer très facilement et très rapidement. Hop, regardez. Et voilà, c'est beaucoup plus sympa. Et pour le transporter, c'est vrai qu'ici, c'est très pratique. Lorsque l'on veut placer l'objectif sur le smartphone, c'est super simple. Et elle s'adapte tout de suite. Et elle tient d'ailleurs très bien. Comparé au Pixter que je vous ai présenté, où c'était un petit peu plus compliqué si on avait les petites pinces et tout, je trouvais ça peut-être moins agréable. Il est élevé, surtout pour la coque, la protection, mais pour les objectifs, ça peut se comprendre puisqu'on paye aussi la qualité. Peut-être que je vous ferai gagner ces objectifs sur mon site Waybat, le lien est dans la description. N'hésitez pas à checker, surtout qu'il y a plein de choses à gagner en ce moment. Boum! Merci à tous les gens, merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.